Il est au Brésil une ville, un charmant petit coin tranquille, où la vie est douce et facile, et qu'on en Curitiba. D'un consul j'y fis connaissance, c'était pas le consul de France, mais pour un consul quelle chance d'habiter ce pays-là. Parmi les Touillas et les Magnolias, il a une maison avec véranda, il a des jardins pleins de réséda, monsieur le consul à Curitiba. Il veut sortir, il trouva de pas le décor si beau qu'offre la pampa, les cactus géants et les catalpas, monsieur le consul à Curitiba. Sa jolie servante s'appelle Maria. Parce qu'il la trouva de Bahia. Elle a de beaux yeux et en plus de ça, elle sait divinement faire le chocolat. Il aime prendre au lit comme un vrai pacha, monsieur le consul à Curitiba. Là-bas c'est aussi le pays de la samba, on pourrait l'envier rien que pour cela, mais il ne bouge guère à cause du climat, monsieur le consul à Curitiba. Il fait comme les autres, il ne se fatigue pas, il boit son café et fume son tabac, mollement étendu sur un bon sofa, monsieur le consul à Curitiba. Et pour se remonter quand il se sent là, il a sous la main du vrai quinquina. Et puis il y a aussi la belle Manola, là-dessus vaut peut-être mieux qu'on n'insiste pas. Mais quelle veine il a, cet animal-là, monsieur le consul, à Curitiba.